Chers collègues intermittents, le format trucs et astuces, c'est aussi l'occasion pour moi de vous présenter les outils avec lesquels je travaille et qui me facilitent la vie professionnelle. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de l'application Intermittent, une appli de suivi de votre dossier, mais pas que, qui va vous changer la vie. Comment ça marche? Combien ça coûte? Qu'est-ce que ça rapporte? Quel est l'âge du capitaine? Qui a tué Kennedy? Il pleut des questions! Je vais tout vous dire et tout ça en moins de 507 secondes. C'est parti! Alors, avant toute chose, il faut que vous sachiez, pour éviter tout conflit d'intérêts, que cette vidéo n'est pas une sponsor. J'ai pas été payé pour parler de cette appli, c'est une vidéo qui vient de moi entièrement, et je la fais uniquement parce que je pense sincèrement du bien de cette appli. Bon, on a assez perdu de temps comme ça. Ok, on démarre. Alors, pour bien comprendre, Intermittent, c'est à la fois un site et une appli. Quand on arrive sur la page d'accueil du site, on a une partie entièrement gratuite. Il s'agit de ce que j'appellerais la veille juridique, parce que c'est là l'un des points forts incontournables de cette appli. Elle est carrément à jour juridiquement parlant. Non, tu mens. Ah non, je mens pas du tout et je vais même aller plus loin. Dernièrement, en temps de Covid, elle était même plus fiable que l'appli du Pôle emploi. Ben oui, l'appli du Pôle emploi, c'est un peu un bébé éléphant, quoi. Le temps que ça se mette à jour, c'est un gros bousin, quoi. Bébé éléphant, c'est une excellente réponse. Bébé baleine convenait aussi. Donc, même sans prendre d'abonnement à cette appli, sachez que c'est vraiment un excellent endroit pour se rendre, pour rester à la page et pour savoir où en est la législation. Et rien que pour ça, j'ai envie de dire à Vincent, le créateur de cette appli... Je voulais vous remercier. Toi, plus moi, plus eux, plus tous ceux qui... Pour autant, la partie législation est d'ailleurs plutôt destinée à celles et ceux qui n'utilisent pas l'appli. Et pourquoi, me direz-vous? Eh bien justement parce que cette appli, elle vous permet justement de ne plus avoir à comprendre comment fonctionne la législation. Cette appli, elle le sait à votre place. Et comme elle est particulièrement à jour, ça vous permet rien de moins que suivre votre dossier au jour le jour. Une fois que vous avez entré vos identifiants, vous arrivez sur la page d'accueil de votre compte qui comporte trois parties, bien délimitées par un code couleur. Le menu intermittence en vert, communauté en orange et assistant en bleu. Dans le menu intermittence, c'est simple, c'est là que vous gérez votre dossier. C'est un peu là que tout se passe quoi. Vous pouvez ajouter tous vos contrats simplement avec quelques facilités toutes bêtes mais hyper pratiques au quotidien. Le fait que les employeurs soient pré-remplis. Génial. L'onglet situation vous permet d'avoir une bonne idée de là où vous en êtes à un instant T. Par exemple, là, je venais juste de renouveler, j'avais seulement un cachet de comptabilisé. Mais regardez, lorsque j'ajoute une deuxième date et que je reviens dans l'onglet situation, bim, les 12 heures ont été ajoutées et je sais en un clin d'œil qu'il me reste encore 483 heures à faire pour renouveler. Oui, je sais. C'est pas gagné. Vous pouvez à tout moment faire une simulation de ce que seraient vos droits en cas de renouvellement. Pour ceux qui ont suivi mon renouvellement anticipé, c'est clairement grâce à cette appli que j'ai compris que j'avais un énorme intérêt à la provoquer. Mais pas que. L'appli gère aussi l'intermittent qui n'a pas les conditions pour renouveler et qui pourra évaluer son ARE de rattrapage, l'APS en cas d'échec, le primo-entrant, de moins de 30 ans. Vous savez les nouvelles dispositions là. Bref, c'est génial, ça vous permet d'avoir un coup d'avance et ça vous permet de voir venir toutes les options qui s'offrent à vous. Oh là, ça c'est magnifique! Ah bah oui, c'est magnifique, mais attends, l'appli elle fait pas que ça. Elle peut nous mettre en contact les uns avec les autres avec une fonctionnalité que je trouve pleine d'avenir, le menu communauté. Si vous remplissez votre profil correctement, avec vos compétences, votre métier, tout ça, vous aurez accès à une carte qui recense l'ensemble des personnes ayant fait comme vous. Et vous le voyez venir l'énorme avantage? Imaginez, vous faites des vidéos YouTube et vous cherchez un monteur pour vous soulager dans la charge de travail. Entrez la profession adéquate dans le champ de recherche et bim! Vous n'êtes pas à l'abri de découvrir qu'à deux pas de chez vous, il y a un utilisateur d'intermittent qui est monteur et qui n'attend que votre coup de fil. Enfin, le menu assistant qui est une sorte d'énorme résumé de la période en cours. Tout est accessible en un clic, les franchises, le calendrier prévisionnel, la liste des employeurs que vous pouvez mettre à jour pour vous éviter de les entrer à chaque fois. C'est de ça que je parlais tout à l'heure. Allez, toute petite suggestion d'amélioration, l'agenda de l'appli qui ne fonctionne pas sous le navigateur Chrome. Bref, vous l'aurez compris, je conseille largement cet outil qui coûte... Ah mais oui, je vous ai pas dit le prix. Qui coûte... 20 milliards de dollars? Non, un tout petit peu moins. 12 euros par an. Oui, c'est bien ça, ça fait 1 euro par mois. 1 euro par an. Alors, j'ai pas de code promo à vous proposer, parce que comme je vous l'avais dit, cette vidéo n'est pas sponsorisée, mais sachez quand même qu'elle est gratuite pendant un mois, et détail qui pourra en intéresser quelques-uns, elle est totalement gratuite pour les primo-entrants qui ont enregistré moins de 400 heures. Sympa.
Voilà, je vous laisse. Dites-moi en commentaire si ce genre de vidéo où je vous parle des différents outils de travail qui me facilitent mon intermittence vous intéresse. Et si c'est le cas, bah, je ferai d'autres vidéos de ce genre. Qu'est-ce qu'il me reste à dire ? Dis-moi au revoir ! Ok, bah, je vous dis au revoir, à très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. C'était Franck pour 507 heures. Ciao !